et Retief Narib égale Danuis du côté de la Namibie. Alors c'est parti donc pour la première partie de ce relais 4x400 avec pour l'instant donc l'équipe namibienne qui tient le bon bout. Le Kenya en deuxième position, puis on retrouve le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Tunisie et la Zambie. Je m'attends à ce que les Zambiens reviennent en force après. Pour l'instant ça part bien pour la Namibie. Devant le Kenya, l'amorce du dernier virage. Dans cette première partie, donc c'est la Namibie pour l'instant qui conserve donc l'avantage avec le Kenya. Puis on retrouve le Sénégal, la Tunisie, l'Afrique du Sud et la Zambie. On peut en dire. Et c'est parti pour l'équipe namibienne avec la Tunisie qui se comporte bien. L'équipe namibienne va se faire maintenant rattraper par l'équipe zambienne. Ça y est, l'équipe zambienne est lancée comme il se doit avec l'équipe sud-africaine également qui passe en deuxième position. Donc la Zambie, l'Afrique du Sud, puis on retrouve le Sénégal, la Tunisie derrière. C'est difficile pour l'équipe namibienne. Avec la Zambie devant, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Kenya et la Namibie. Regardez le retour en force du Sud-Africain ici. Ça va être très, très joli à voir pour la troisième partie de ce relais avec la Zambie et l'Afrique du Sud au coude à coude. Ensuite, on retrouve le Sénégal tout juste derrière. Mais devant, c'est un formidable duel entre donc la Zambie et l'Afrique du Sud, la Tunisie, la Namibie, le Sénégal et le Kenya. À 150 mètres maintenant de l'arrivée, on va s'attaquer à la dernière partie de ce relais. Alors la Zambie a l'avantage, l'Afrique du Sud est encore dans le coup, mais non. Là, l'équipe zambienne va prendre... va aborder la dernière partie de ce relais en toute confiance à 4 fois 400 mètres. Mission délicate pour le Sud-Africain, la Tunisie en position. Puis on retrouve la Namibie, le Sénégal et le Kenya. À l'avant donc, ça part bien pour les Zambiens. Heureux dans ce 4 fois 400 qui vont se retrouver en finale, ça c'est sûr. L'équipe sud-africaine également assure en deuxième position. La Tunisie, le Sénégal derrière, dans la ligne droite finale pour le représentant zambien. Aucun souci, il fonce tout droit vers l'arrivée, l'Afrique du Sud, la Tunisie. Voilà, qualification aisée pour la Zambie devant l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Sénégal, le Kenya et la Namibie. Magnifique travail d'équipe du côté zambien. Je vous parlais de la force de frappe.